dans la dernière zone du premier tour, en fait, je fais une erreur sur une marche, je retombe mal et je me blesse à la cheville. Et c'est encore trop fragile pour reprendre la moto pour l'instant, du coup il y avait besoin de bénévoles. Je suis venu faire commissaire. Ça change un peu, mais bon. T'es passé de l'autre côté de la barrière, on voit un peu les difficultés que peuvent rencontrer les commissaires. Ouais, exactement, on peut voir ce que c'est que le boulot de commissaire. Et puis après c'est quand même une bonne journée, il fait beau, les zones sont quand même sympas. On profite du spectacle. Parcours l'année dernière en championnat du monde. Alors l'année dernière championnat du monde, c'était une super expérience déjà. Franchement, c'est quelque chose à faire dans sa vie. Après un niveau très dur, quelque chose d'incroyable, mais le niveau est tellement élevé qu'en cup j'ai fait des places au mieux de top 15, au Japon 13e quand même. Mais j'ai jamais réussi à accrocher le top 10. Par contre, faire 15 en mondial, c'était quand même super beau, une expérience de fou et vraiment très bien. Et championnat de France 3e en fin d'année 5. Et j'espère y retourner cette année pour faire podium, donc à fond. Thank you.
Maxime Alex Grumier est donc absent sur cette épreuve. Dommage, ouais. Tu rivalises avec Krumenacker. Comment ça se passe pour l'instant? Bah, on n'a pas roulé ensemble tout le long du trial, donc je sais pas trop ses points. Moi, je sais qu'au premier tour, j'ai fait quelques erreurs. Au deuxième tour, je me suis vraiment amélioré. Donc là, je suis sur une bonne lancée, vraiment quelque chose qui va bien. Donc si je continue comme ça, je devrais être sur la première marche ce soir, enfin, j'espère. Dernier tour, je suis deuxième derrière Maxime, on est que deux de toute façon. Ouais. Là ça devient physique, ouais. Ça commence à être physique, les zones sont longues, il fait chaud. Beau tracé. Beau tracé, belle zone technique. Non, super. Et le soleil avec bonne journée, écoute, au top. Que du bonheur.